Bonjour le report. Nous retrouvons pour une vidéo étrange. Vraiment, je me suis posé toutes les questions possibles, hein, histoire de savoir ce qui se passe ici. Regardez, regardez ça. Ah, les gens sont venus découvrir le premier, en fait, la première voiture qui est capable de voler. Sérieux? Donc cette voiture-là serait capable de s'envoler. Hein? Que vous avez compté? Sérieux? Ah, mais vous me voyez le monde. Comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit en anglais. Introducing the world's first flying car. The Aeromobile. Vous entendez ça? Qu'est-ce que ça veut dire en français? En fait, ils disent qu'ils présentent au monde pour la première fois la voiture volante qui s'appelle le Aeromobile. Hein? Aeromobile? Sérieux? Comme vous pouvez le voir, derrière, ces gens ne rigolent pas. Hein? Je ne rigole pas. Tu es là, tu as pris un taxi, tout à coup, la voiture là s'envole. Tu dis, hein? Quel chat! C'est que j'ai des sorcelleries, ça! Si tu n'as pas au courant, ce n'est plus la sorcellerie. Regardez, là, ils ont de fabriquer des voitures qui seraient capables de voler, s'envoler. Pour le voir qui? Pour le voir Dieu? Quel chat! Laissez les avions faire leur boulot. Vous voulez aller diriger les chers avions dans le ciel ou quoi? Tout ça, c'est pour créer des accidents en haut. Vraiment, là, je me pose la question de savoir, mais est-ce que tout le monde serait capable d'acheter ça? Et le prix? Et le prix? Et les gens que vous voyez derrière là sont venus voir ça pour la première fois. Les gens riches. Des gens capables, eh oui, des gens qui ont les moyens, des gens qui peuvent s'acheter de tels engins. Ce sont ces gens-là que vous voyez comme ça derrière, hein? Sinon, ce ne sont pas les rienneux. Ils sont venus voir leurs prochains bijoux. Mais comme nous sommes ici sur les réseaux sociaux, aussi Internet et autres, je pense que nos yeux peuvent voir ça. Je ne sais pas si mes mains vont toucher ça un jour, mais ce que je suis sûr, c'est là où vous voyez ça devant vous déjà. Et tout est possible dans la vie, on ne sait jamais. En tout cas, quand Dieu me donne les moyens de pouvoir tout m'acheter, je vais acheter des choses extraordinaires comme ça et je vais vous présenter cela sur Union Sobol. Maintenant, si on devient nombreux et très actifs sur les réseaux sociaux ici, je vais vous donner rendez-vous dans un lieu où je vais vous faire toucher tout ça, tous ces engins, sur les shows. Hein. Soutenez-nous jusqu'au bout. Commençons par atteindre les 1 million d'abonnés, puis les 16 millions d'abonnés, et allons-y seulement. Et oui, allons-y seulement! Regardez, regardez. Ces gens-là sont chauds. Hein. Regardez, ils veulent voir, ils veulent voir. Est-ce que vous vous rendez compte que ça a été filmé aussi? Hein? Ça a été filmé. Les gens ont montré ça, et j'ai même la vidéo. Voulez-vous voir la vidéo de la présentation? Mais bien sûr que oui. Ok. Sans problème. Là voilà, là voilà. Vous voyez ça? Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas de la blague. C'est bien réel. Le monsieur va ouvrir pour la première fois sous vos yeux. C'est la fin. Revenons en arrière, regardez très bien encore. Regardez comment les gens sont en train de crier de joie. Regardez l'arrière. Regardez très bien l'arrière là. Regardez l'arrière. C'est bizarre, hein? C'est quel genre de chaussure ça? Hey, pardon. C'est pas chaussure, c'est voiture. Ça me rappelle chaussure. Que j'ai des chaussures. Aïe, 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 aïe. Regardez, regardez très bien. Oh, où sommes-nous?
Vous voyez, quand vous entendez les gens dire waouh, waouh, waouh. Hein? 2-1, injection. Le monsieur le pose la question, mais est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous l'aimez? Et regardez la réaction des gens. Waouh! Vous avez ça? Waouh! Waouh! Attendez, combien d'années ça a pris aux gens là pour fabriquer une telle voiture, selon vous? Parce que vous ne fabriquez pas cette voiture là du jour au lendemain. Ça, je vous le dis, hein. Ah! Et à mon avis, ça doit coûter vraiment beaucoup d'argent. Peut-être que ça doit coûter même plus cher que c'est un jet privé. Vu la manière dont c'est l'innovation et tout ça. Mais est-ce que tout le monde pourra s'en procurer? Parce que, regardez, il faut être vraiment très riche pour pouvoir avoir un truc pareil. Sinon, ce ne serait pas possible. Mais à quoi ça servirait réellement? Quelle serait son utilité? Vous pouvez créer un aéroport spécialement pour ça aussi. Ou c'est comment? Est-ce que ça va descendre sur la route où nous sommes avec notre grosse voiture de luxe? Expliquez-moi. Bien. Maintenant, dites-moi, les frères et sœurs, serez-vous prêts à tester la voiture? Serez-vous prêts? Est-ce que vous serez prêts à tester la voiture? La première voiture qui s'envole. Voici la première voiture qui s'envole. Oh. Est-ce que vous serez prêts à la tester? Est-ce que vous serez chaud? Moi, vraiment, je ne sais pas. Mais pour moi, je ne pense pas que ça soit vraiment utile. Pour moi, je ne vois pas son utilité. Si tu as besoin d'une voiture, une voiture qui est là spécialement pour toi. Si tu as besoin de monter dans un avion, il y a aussi des avions, il y a même des jets privés, il y a même des hélicoptères. Mais un avion, une voiture qui va s'envoler, c'est par rapport à quoi? Donc, c'est ça le choix des films que les gens ont décidé de ramener ça dans la vie réelle. Mais, on a dit que, bon, on va dire que c'est peut-être une chose qui nous montre déjà ce qui va se passer dans l'avenir. Dans l'avenir, peut-être, on sera dans le futur, quoi. Un monde nouveau, un monde futuriste, où il y a des choses volantes, des choses qui s'envolent, les choses qui sont dans les airs. Donc, je pourrais juste m'arrêter sur un bois, puis le bois s'envole. Comme Aladdin. Eh, Seigneur Jésus. C'est que si nous, on est là, nous, on vous dédé. Ça, envoie ça ici, au pays, on voit ça. Envoyez ça loin, ça. Ok, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés sur ce bois. Si vous n'êtes pas abonné à la nouvelle voiture, la cocher. Ha, ha, ha. C'est parti.